Yon dimanche matin, pape, j'en suffit pour yon fête de moisson. Et c'est ça qui fait nous tirer le message nous dans Luc, côté bien-aimé nous, frère Alain, Zami nous, et lire pour nous dans l'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 18, yon passage que nous connaissons bien. Et il y a quelqu'un qui même connaît le passage à Bakel, tellement. Passage là tellement familier. La parole de Jésus nous dit qu'il y a un chef des Juifs. Il a le dit un chef, mais dans la recherche que nous faisons, dit c'était un homme qui était un chef de synagogue. C'est-à-dire un homme qui était bien possédé, un homme qui était chargé avec connaissance, un homme qui connaît la loi très bien. Mais l'homme ça, il était arrivé en l'heure, il sentit qu'il a besoin plus de vérité. Il vivait en l'œil, il vient tendre par les légers, il connaît qui mon Jésus est, et puis il allait auprès de Jésus. Pour Jésus capable d'avoir plus de vérité. Vous connaissez bien les mains, il y a quelques mondes qui aiment tendre la vérité. Il y a quelques mondes qui toujours aiment aller à la recherche de la vérité. Parce que vérité, l'homme connaît la vérité, il rend nous libre. Mais il y a quelques monde tout, l'autre dit aux vérités, eh bien c'est gros tort que vous faites. L'autre dit aux vérités, il y a éliminé au même. Parce que vous parlez maintenant des vérités. Et c'est ça que l'auteur qui dit la vérité blesse. Depuis qu'on dit vérité, donc il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais même au péril de votre vie, il faut dire la vérité. Et ils ont chanté, nous voyons les frères, et ce qui chante lui, il dit que il faut dire la vérité, si tel groupe avait dit vérité, tel autre monde a dit vérité. Donc, moi, mettons des mots sur ça. Moi, mettons des mots sur ça. Ouais. Et vous croyez que. Dans le groupe de monde qui est maintenant de vérité, non, c'est une non-yo. Parce que bon, nous avons dit, il y a quelques monde qui parle de la Bible parce qu'ils ne parlent pas de tomber avec des bagailles qui s'aillent à faire. Parce que vous connaissez sitôt que vous tombez là, vous tombez en méchanceté qu'ils ont à faire, ils n'ont pas de problème. Ça, vous n'avez pas besoin de connaître ça. Il y a quelques monde qui refusent de l'église. Parce que ce point là pas évolué. Ce n'est pas vrai, un prétexte que nous avons cherché. Satan mettait dans la tête pour nous dire que c'est le point que nous avons voyé, donc il va prendre, il va prendre. Mais vous-même, thank God. Parce que vous l'avez dit. Et si vous l'avez dit, c'est parce que vous remettez en défi. Parce que vous remettez en vérité. Et moi, je garantis tout le monde qui remet en vérité, il est facile pour les gens de marcher dans la route qui est droite. Et non seulement il est facile pour les gens qui remet en vérité, il a marché dans la route qui est droite, ils n'ont pas dévié dans la route là, mais il a privé dans la route qui baille la vie éternelle. Parce que vous remettez en défi. Non, Maurice, ça, tu es venu côté Jésus. Il dit, bon, maître, je remets un dîme qui ça me doit faire pour être capable d'hériter la vie éternelle. Jésus dit, non, ça, ou connaît commandement, yo. Et puis, nous avons dit, oui, depuis que nous sommes jeunes, nous connaissons tout le bagage. Et alors, l'élève avant qu'il baille, il m'a déjà dit, qui qualité? Parce que et la loi est divisée en deux parties. Une partie, et il parlait de relation moi-même avec vous, avec bon Dieu, et relation moi-même avec vous, avec frère ou avec soeur. Et l'aimant de Jésus,
qui est nan yo, Jésus citait les sept commandements. Il citait les sept commandements qui ont trait au rapport humain. Il citait les sept commandements qui ont trait au rapport humain entre vous-même avec l'homme, avec le prochain. Et Jésus, l'an dernier, il vient citer Matthieu 19, pour dire que remet prochain tant que vous remet tête pas. Jésus dit, nomme ça tout bagaille si là yo. Et nomme nan dit tout. Depuis que j'étais jeune, bagaille ça yo connait. Depuis que j'étais jeune, tout bagaille ça yo connait. Bien aimé, bon don si bagaille. Ouais, non, même dans l'évangile. Théorie a se yon, pratique la son l'autre bagaille. M'pas connait ça, fait ça, même gen problème. M'pas toujours gen problème. Les gens qui sont dans l'église, les gens qui ont dansé, pareil, comme si il y a ces fouets, comme si l'esprit qui a monté. Je ne dis pas que je vais faire mentir, non, mais j'ai un problème avec ça. Et puis, les gens, même les gens qui ont l'esprit, ils les prennent pendant le chant, ou bien pendant l'église, et bien, sous ta va cacher un petit côté, soit les gens qui ne parlent pas avec lui, ou bien pendant la gare, ils ne parlent pas avec petit, ou bien ils ne parlent pas avec Marie, ou bien ils ne parlent pas avec madame. Ou elle va attendre avec qui qualité nous avons fait. Et il y a ces gens. Pratique là, c'est un autre bagage. On ne se moque pas de Dieu. Ce que nous aurons semé, il le moissonnera aussi. Ou capable de tromper Pasteur Domé. Ou capable de tromper au bien-aimé. Mais bon, je ne sais pas, ou pas qu'à tromper bon Dieu. Pas qu'à tromper bon Dieu. Nom nan di Jésus, fait bagay sa ou depuis que j'étais jeune. Et qui ça nous t'a pas fait encore? Jésus dit non ça, et il manque yon bagay. Il manque yon bagay. Et c'est ça qui fait tout problème. Notre si bagay sa qui manquait, Jésus dit il manque yon bagay. Et non ça. Il est attentif pour être capable de connaître qui s'allie, qui s'allie. Parce qu'on connaît toute la loi. Parce que, paye, dis-moi, fais ceci, fais cela, fais tout ça. La loi m'a demandé de faire. Jésus dit, allez, vends tout ça que vous gagnez. Distribuez-le. Et quand l'on fin fait ça, on va retourner qu'on y a, vin suivre. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas allé tout triste. Parce qu'il était gagné en pile bien. Là, il est tout triste. Nous n'avons pas même imaginé, pas rêvé son bagage. Il travaille son bagage comme ça, Jésus t'a avancé. Gagner l'argent, ce n'est pas un problème. Mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, selon la parole de Dieu. Bien-aimé, jeune homme Rissa te connaît, tu es en forme. Jeune homme Rissa te connaît, toute bagaille était ok pour lui. Mais parce que son homme qui t'a cherché la vérité, il était venu arriver en l'heure. Il était libéré dans la prison que le pays. Et parce que le pays un peu bien, et les Jésus te dit ça, donc le fait qu'il était à l'église, la parole de Dieu va continuer pour dire que sinon ça t'a le fait. Mais nous voyons que non, non qui était en quête de connaissance, on non qui était remis connaître la vérité, certainement. Il était qu'à obéir à la parole de Jésus. Il était qu'à obéir. Et maintenant,
matin, moi-même avec nous de longtemps, nous dans l'église. Matin, moi-même avec vous, nous avons longtemps depuis que nous disons chrétien que nous sommes. Comme moi, dis que moi, j'aime thème, mes moissons qui débaillent. Et semaine, pendant la semaine, réveil là, en nous vivre, Jean chrétien, nous vivre. Question ça que Jésus t'a posé à l'homme Rissa. L'on a considéré cette moisson que nous sommes gagnés. L'on a considéré cette moisson que nous sommes gagnés dans l'église Séloï. Est-ce qu'on peut attendre une voix qui a parlé avec vous, qui a dit qu'il manque une bagaille? Est-ce qu'on peut attendre une voix qui a chuchoté dans les oreilles? Ou est-ce qu'on sent à l'aise dans vous-même? L'on connaît qui sa moisson, vous l'on parle de moisson, ou est prémisse, premier fruit. Est-ce que c'est pas ça, chrétien? Je ne sais pas si je vais mentir. L'on parle de moisson, ou est prémisse. Prémisse, ça veut dire premier fruit. Est-ce que conscience ou en paix? Dans l'offrande de moisson que vous débaillez dimanche là. Est-ce que vous sentez conscience ou en paix dans ça que vous débaillez là? Nous avons fait que nous ne sommes pas pour demander de lever les yeux, nous ne sommes pas embarrassés. Nous ne sommes pas demander de lever les gens qui débaillent et selon les gens que les chrétiens débaillent, nous ne sommes pas faire ça. Et ce n'est pas mon bon Dieu. Mais bon Dieu déjà connaît les bagailles. Amen. Mais il y a une seule bagaille. Même Jean Jésus te dit, non, riche là. Il manque une bagaille. Matin, amen. Le Seigneur choisit pour me venir dans l'église sous l'eau. Il manque une bagaille. Pendant que l'île de ce côté font belle moisson. Pendant que l'île de ce qu'un pillage en est rentré. Mais au contraire, au besoin à l'instar des noms Christa, au besoin de Christmaté. Si toutefois, j'en goûte fait là ou pas fait pour ça. Est-ce qu'on connaît que m'habitué avec Haïtien, on connaît Haïtien très bien? Il y a Haïtien chrétien. Qui dans l'église, il y a payé dîme, il y a payé offrande. Et bon, je ne sais pas, on connaît que dans cette moisson qui fait, je ne pas dire dans le précisément. Mais on connaît qu'il y a un pile, alors si il venait, s'il tombe pour le loyer, mon a ramassé à faire. Mon a quitté fait là, l'a ramassé. Et cherche-moi un rangé à faire avec bon Dieu. Il y a des gens qui ont payé dîme dans l'église, les fêtes moisson. Ça prend ta baille pour faire moisson, yo retire la donne, yo baille li nan dipoudim, et puis tire li ka ki rete, yo baille li pour moisson. Ma comme si vous comprenez ça. Tire li ka ki rete, yo baille li pour moisson. Comme si yo wè, c'est un petit gros. Pour le plus gros problème, ça travaille pour que si comme il a touché, pour que tu retirer le dîme là-dedans, après ça, pour que tu aies le premier fruit, non, fait, moisson encore. C'est parce qu'on n'est pas intelligent. Si vous faites comme ça, si vous faites ou partagez, c'est parce qu'on n'est pas intelligent. Parce que Malachi 3, verset 8, côté que l'Éternel dit, nous trompons, nous volons, nous dînons avec nos offrandes. Parce que nous ne payons pas ça que nous devons payer. Il y a quelqu'un qui nous paye offrande moisson. Nous paye offrande moisson. Non seulement ça, nous devons payer là. Non seulement ça, nous devons payer là. Ce n'est pas ça, nous payons. Comparativement à sa moisson, on veut dire, ouais, premier fruit, qui
considérer. Naturellement, nous comprenons que ici, pas de jardin, on n'a pas de premier fruit, mais. Chaque fois pour recevoir, c'est le premier fruit, et nous considérons comme premier fruit. Est-ce que consciencieusement, ou bailler comme premier fruit que vous recevez pour aller? Est-ce que consciencieusement? Est-ce que ce n'est pas même chèque ça qu'on a dû bailler pour faire moisson? Et puis c'est lui ou partager ou bailler dîme dans la donne. Et puis après, on baille pour bailler mon frère. Et puis il y a quelques autres monde qui ont fait moisson. Si vous baillez offrande, si vous baillez pour moisson, à faire des offrandes régulières, mes amis, yo, ça va pas possible. Yo pas non, bah offrandes régulières encore. Alors, c'est trop demandé. Comprends ça. C'est trop demandé. Mais sous intelligent, bien aimé, c'est pas un père que lié pour vous, non? Parce que nous sommes les salades, côté que Jésus-Christ, les pierres, c'était l'interprète, comme disciples de Jésus-Christ, l'interprète des autres disciples, parce qu'il était toujours le premier à prendre la parole. Les Jésus viennent parler avec l'homme riche là, et puis Jésus dit, mon cher, vous connaissez plus facile pour un chameau pas de passer par le trou d'une aiguille quand un riche d'entre dans le royaume des cieux. Ça te bouleverse disciples, ça bouleverse Pierre. Et puis Pierre dit, bon, Seigneur, mais nous acceptons de quitter toute affaire, nous quitter madame, nous quitter petite, nous quitter toute bagaille. Oh, et maintenant, quand ça, nous chirons. Alors, nous n'engageons pas de réponse à nous t'as-t-il. Nous entendons ça. Jésus prend la parole. Il dit, Pierre, don't worry about that. Pas inquiéter ou bien. Il dit, pas de pièce, moun. Qui quitte ou bien maman, ou bien papa, ou bien frère, ou bien seul, ou bien qu'elle soit bien que le gagnant, il pas recevoir Nantesa. Il pas recevoir. Depuis Nantesa, il pas recevoir en plus. Et dans l'au-delà, la vie éternelle. Comment on paye pour la vie éternelle? Ou bien comment pour acheter la vie éternelle? Ou jouer ça gratis. Au jour de sa grâce. Alléluia. Bien aimé, et ils vont chanter moi-même, attendez, ils disent sauter qu'on aime bout de bon Dieu. Ou t'as mangé cringe bon Dieu. Sauter qu'on aime bout de bon Dieu. T'as mangé cringe bon Dieu. Ça, de raison que nous dit que ils ont fait moisson pas qu'à fêter un dimanche matin seulement, parce qu'il y a quelques monde. À cause de travail, il y a quelqu'un qui nous dit every other weekend que vous travaillez, every other week, vous touchez. Il y a quelqu'un qui nous dit chaque deux semaines, vous touchez. Il y a quelqu'un qui touche par semaine. Et il y a quelqu'un qui nous dit tout. Et c'est ça que je dis à penser que quelqu'un qui nous dit moi, je suis rentré quand même. Parce qu'il y a quelqu'un qui partait là. Peut-être qu'il n'est pas tout possible de plus là. Dimanche là, yo pas capable là, donc ce jeudi là, yo obligé de venir, c'est pas trop ça que vous travaillez, yo pas capable de comprendre ça. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être pas, je me connais, que j'ai une situation, qu'on a une émergence. Là, j'en ai une douane là, et puis il y a une émergence, yo ka imprévu, yo prêté comme là. Mais prêté. Prêter. Il est même nous dit tout ça, c'est pas parce que nous raillons. C'est pas parce que nous raillons. On y a peut-être quelques mounes là, peut-être nous avons une raison de faire là, à ce après-midi. Hein? Si on était capable de dire, pasteur, donnez, pas quitter Tinex à venir prêcher là. C'est pour votre bien, bien-aimé. C'est pour votre bien. C'est vrai. C'est pour votre bien. Si nous avons souffert ensemble pendant que nous avons vécu dans la terre,
pour qui ça pour nous pas réjouir ensemble dans le ciel. Nous aimons le slogan, nous aimons le slogan chaque femme qui nous a dit pasteur dormir dit ça. Ouais, il faut après toute bagaille, en nous fait effort, en nous tous, nous ensemble pour que nous capables de bailler rendez-vous dans le ciel. Nous aimons le slogan ça. Les bons, bien aimés. Je ne sais pas comment faites-moi s'enveiller, peut-être. Cela ne me regarde pas non plus, parce que je ne suis pas dans le temps. Mais en tant que prédicateur, je suis habitué avec les chrétiens haïtiens. Bien-aimé, bonjour, c'est le dernier monde qui a trompé dans la vie. C'est bon Dieu. Si vous pensez que vous avez trompé bon Dieu, aucun problème. Parce que pas de monde qui a trompé bon Dieu. Et l'homme cherche moyen pour tromper bon Dieu, c'est malédiction à partir de soi. Il y a des gens peut-être qui ont dit message là trop dur, mais c'est comme ça que bon Dieu voulait me parler. C'est comme ça que bon Dieu voulait me parler. Ouais. Cherche-moi à comprendre bon Dieu. Cherche-moi à comprendre bon Dieu. Cherche-moi à deal avec lui. Si tu as fait un mistake, si tu as fait un mistake, cherche-moi à ranger. Bon Dieu, pas mirabo, comme si il n'y a pas rancunier, comme si il va pardonner. La pardon est tout prêt pour pardonner. D'ailleurs, braille toujours l'ouvre pour recevoir. Braille toujours l'ouvre pour recevoir. Cherche moyen, corrige mystique que vous avez fait. Et lors corrige mystique que vous avez fait, vous avez senti allégé, vous avez senti que vous avez léger. Ou ap senti ou vin yon lot moun, et puis ou konnen, ou ap vin ti beni tou, oui? Amen. Ou ap vin ti beni, benediksyon an abondans ap tombe sou men. Pour qui ça vous pas fait? Yon avantage bas de moustache. Qui est-ce qui sort qui va prendre? On nous prend chercher pour ça. Bien aimé. Bon Dieu, remercie. Et si vous avez senti que façon que vous avez contribué pour faire moisson. Et ils ont senti qu'ils ont chanté chaque soir. Ils ont senti qu'ils ont chanté chaque soir. Non, quand si ça, ils nous passent le dernier verset, dernier scorpion là, qui dit que gardez ouais sans bail là si c'est sale tadoui. C'est sale dit. Gardez ouais que quand si Ananias et Saphira. Ouais, gardez ouais ça au bail là si c'est saltadoué. Ou besoin poser tête aux questions. Ou besoin font retour dans vous-même pour ouais sortir bail là si c'est saltadoué. Et si c'est pas saltadoué, bonjour. Non seulement ou même pour pouvoir le content d'orange et ça faut accompagner. Peut-être on dit bon si nous guettons, bon si nous baillons mes amis. Comment va? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Bon Dieu connaît bagaille. C'est bon Dieu qui a dirigé l'événement. Bon Dieu seulement besoin qu'on mette là l'épreuve. C'est ça, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir le ciel là pour vous. C'est tout ça que vous besoin de faire. Faire bon Dieu confiance, la bonne même. Et vous pouvez bien aimer. Si bagay yo pa chanje, ou apwè sou papi yon vini yon moun, ou apwè si situasyon pa chanje, parce que ou sincère avec bon Dieu, parce qu'on fait tout possible pour capable vivre la vie chrétienne, Jean bon Dieu vle la. Et l'on fait comme ça, non seulement ou ap béni, famille ou ap béni, petit ou ap béni, tout entourage ou ap béni, l'église ap béni, parce que ou fait ça qui est bien pour le Seigneur. Que le Seigneur est capable de bénir. Amen. 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 Message là est clair. Merci, Père Ticlin. Et on a prié, mon Dieu, pour le ministère Pasteur Mirabeau. On est capable de toujours faire une toute barrière publique. Et nous avons mis nous debout, côté nous allons chanter pour terminer. Numéro 95, Créole, chant d'espérance. Moi plutôt, gain Jésus, passé gros l'argent. Moi plutôt, Bali, Paris,
parce que je suis riche tout le temps. Moi, plutôt que Jésus, parce que plus belle carré, plutôt le guider moi dans tout le bagage. Parce que pour ta voix, dans un grand pays, les péchés t'a fait souffrir. Plutôt que Jésus, parce que tout le bagage que le monde t'a capable de faire. Thank you.
Éternel, dans le nom de Jésus, nous accrocher devant ton de grâce au tourine. Remercier, remercier parce que Kébagaï, c'est vous-même seul qui t'a fait, au cher Seigneur Dieu. Nous vous remercions parce que vous êtes levé le matin, vous permettez de nous entendre, justement pour que nous voulons nous joie que vous-même seul nous méritez, cher Seigneur. C'était un privilège à nul autre pareil, pendant que des mondes, cher Seigneur Dieu, qui t'est dormi, qui t'a levé, et les matins qui levé avec ses robes dans le bras, mais vous-même, dans mon Dieu, cher Seigneur. Permettre que nous soyons capables d'entendre pour nous en pleine forme, cher Seigneur. Merci pour les chants qui ont été chantés, merci pour les prières qui ont été adressées à toi, et merci, cher Seigneur Dieu, pour le message de ta parole. Permettre que le message soit capable d'entrer dans nous-mêmes et que nous produit exactement ça et reproduit, et que résultat capable d'aller pour notre bien-être spirituel. Cher Seigneur, mets l'Église devant moi, nous allons séparer. Séparer le corps, mais permettre que dans l'esprit nous été attachés à l'air. Parce que l'attachement avec toi, cher Seigneur Dieu, c'est l'attachement qui est important qui est dans le monde en Jésus. C'est une nouvelle semaine qui commence. Nous ne connaissons pas qui sa semaine sans apporter. Nous ne connaissons pas sa semaine sans gagner dans le même bagage qui est sûr. C'est que Jésus, si nous connectons avec vous, pas qu'un lien à priver nous. C'est que vous-même, vous n'avez pas d'autorisation pour ça arriver, cher Seigneur. Que nous ne sommes pas ça qui a dit au revoir, qui est après aller rencontrer vous-même, cher Seigneur. Que nous ne sommes pas ça, Jésus, c'est de nouvelles expériences qu'on va faire avec vous. Que nous ne sommes pas ça, Jésus, qui est de l'autre bagage que vous parlez qu'à faire dans la vie. Nous demandons au nom de Jésus, Matthieu, nous demandons autant prier, cher Seigneur Dieu, préparer l'esprit, nous, de façon. Tout ça qui va arriver, nous, cher Seigneur Dieu. Tout le bagage qui est arrivé, nous, cher Seigneur, dans le monde, ça. Permettre que nous capons bien, nous, Jésus. Permettre que nous capons confiance davantage. Permettre que nous capons être connectés ensemble à vous davantage. Permettre que nous capons faire des expériences à vous davantage. Permettre que nous capons connaître davantage. Permettre que nous capons vivre vous-même davantage, cher Seigneur Dieu. Et permettre que nous capons connaître, cher Seigneur Dieu, avec vous-même, c'est la victoire. Avec vous-même, c'est la vie. Et la vie en abondance. Jésus, maintenant, d'offrir-nous un autre prix. Restez avec chacun de nous-mêmes, Jésus. Il y a des gens qui sont malades dans le corps, des gens qui sont malades dans l'âme, des gens qui sont malades dans l'esprit, au cher Seigneur. Maintenant, un autre prix, passez dans le corps, passez dans l'âme, passez dans l'esprit. Les gens qui ont une vie qui n'est pas conforme à eux, maintenant, au nom de Jésus. Permettre que. Permettre qu'on fasse opération.